Station Beaubien. Dalbachou, on est jeudi, je suis tout seul, je viens de déposer Lily. En gros, Lily elle est ostéopathe, et ici pour exercer, elle a besoin de faire partie d'une sorte d'association des ostéos. Il n'y a pas vraiment d'équivalent en France, peut-être si légèrement quand les médecins font partie de l'ordre des médecins, mais bon, c'est vraiment pareil, hein, je dis pas ça. Du coup, on est actuellement un peu plus au nord du centre-ville, à côté de Beaubien. C'était là où on était le premier mois l'année dernière, quand on avait pris une location. C'est vraiment un quartier qui est totalement différent du centre-ville. C'est tout aussi sympa, mais vraiment rien à voir. Il n'y a pas de grands bâtiments, il y a un petit peu moins de monde, il y a beaucoup plus de petits restos, de petits trucs comme ça. C'est sympa. Là, je sais pas trop ce que je vais faire, du coup, je sais pas combien de temps ça va prendre le rendez-vous de Lily. Je vais aller me balader un peu, je pense. Je suis dans l'avenue Saint-Hubert, ou la rue Saint-Hubert. C'est une énorme rue, il y a vraiment des commerces à droite et à gauche sur je ne sais combien de kilomètres. Mais c'est impressionnant le nombre de boutiques de robes de mariée qu'il y a. Impressionnant. Et pas des robes de mariée de grande classe. Posé dans un petit resto façon américaine, le resto des années 50. Et je vais juste prendre une petite boisson et un petit truc à grignoter en attendant Lily. Je commence un peu à avoir faim moi, il est 13h20, j'ai un peu faim moi. Ouais, est-ce que je peux prendre un coca et une petite frite? Sans problème, je te fais ça. Super, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Lily m'a rejoint, c'est bon, elle a fini son truc, ça a pris à peu près une heure. On a décidé finalement de manger ici. Les choses ont l'air pas mal, j'avais pris des petites frites tout à l'heure, c'était vraiment pas mauvaise. Et là on est parti sur un burger et sur un petit club sandwich. Voilà, avec des petites frites de patates douces. Et c'est excellent parce que les boissons ici sont en refill. Et ça c'est top pour moi. Ça, j'adore. On a super bien mangé, un peu trop. Du coup, en attendant Lily, j'avais pris des frites. Donc là, en plus, après derrière, je reprends un burger. Alors c'était vraiment, vraiment trop. Mais c'était vraiment pas mauvais. On se dirige maintenant vers le Simons, l'équivalent de Galerie Lafayette en France. On va aller voir ce qu'on peut y trouver pour rajouter du cachet à l'appartement. Absolument se trouver des petits coussins. Bon, on rentre à la maison. Juste après Simons, on est passé chez Best Buy. On voulait revérifier les télés parce qu'en fait la télé qui était sur Amazon que j'avais trouvé moins cher, il s'est avéré que c'était une télé d'occasion. Après on a réfléchi parce que vous savez aujourd'hui il y a des sortes de télé intelligentes où ils proposent directement à l'intérieur de la téloche sur la télécommande. On a raccourci vers Netflix, YouTube, voilà des choses comme ça. Et du coup bah, c'est forcément plus cher qu'une télé entre guillemets non intelligente. Mais à part, on a vu qu'ils vendaient aussi les petits boîtiers Roku, ça s'appelle ROKU, qui permet d'accéder à YouTube, à Amazon Prime et ça serait sûrement moins cher de prendre une télé non intelligente avec ce petit boîtier en plus qu'on achèterait et qu'on connecterait dessus. En plus,
La télé sera en permanence moi, branchée à mon ordinateur qui sera juste sur la gauche. Donc si jamais on veut accéder à internet, bah voilà, on a juste à faire des recherches, c'est connecté en HDMI. Donc je pense qu'on va partir là-dessus. Alors, que pensez-vous de nos petits coussins? De base, il y en avait un carrément en forme de reine Lily voulait le prendre, mais au final, je sais pas pourquoi, on s'est mal compris, on l'a pas pris. Bon, on a pris également un petit sous de plat, et puis des serviettes, des serviettes de bain pour nous. Je pense que maintenant, on est vraiment, voilà, à part la télé, on est vraiment installé, c'est bon. On va pouvoir commencer à sortir un peu, parce que à chaque fois qu'on sort de l'appartement, c'est pour équiper l'appartement ou acheter des choses, machin, bon bref. On va pouvoir aller se balader un peu, se poser. Et puis voilà, on vous tiendra au courant de tout ça. À la prochaine !